Je l'avoue, sont contre moi. Mais mon unique intérêt, ma fichérie, c'est toi. Non, papa. Ta fichérie, c'est cette usine à laquelle tu consacres tout ton temps. Dieu seul sait combien maman en a souffert. Depuis sa mort, ton indifférence n'a fait qu'augmenter. Au lieu de t'apprendre à vivre avec les tiens. C'est ma propre fille qui parle comme ça de moi? Non. Non, papa. C'est celle que tu as toujours ignorée, qui n'a jamais eu aucune espèce d'importance à tes yeux. Stéphie, chérie, comment oses-tu dire cela? Tu sais aussi bien que moi, ça ne m'a jamais fait plaisir de te voir seule. C'est dangereux de vivre comme tu vis. Ce qui doit arriver arrive toujours, papa. Ni toi, ni moi, n'y pouvons rien. Tu n'as pas réussi à sauver maman. Personne ne peut échapper à son destin. Je me suis toujours dépensé pour ma famille. J'ai tout fait pour sauver ta maman. Oui, je sais. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour elle. Tu l'as fait chercher par un avion ambulance. Tu as payé des médecins. Oui, tu as tout fait. Mais à quoi tout cela a servi, papa? Tu sais très bien que ta mère et toi étiez les seules personnes à compter pour moi. Oui, c'est ce que tu dis toujours. Mais l'as-tu prouvé? Je me suis toujours dépensé pour ma famille. J'ai tout fait pour sauver ta maman. Ne me rends pas responsable de sa mort. Papa, si tu m'appelles pour savoir si tout va bien, ben oui, ça va. Tu n'as pas à te faire de soucis pour moi, papa. Au revoir. Allô? Allô? Stéphie? Stéphie? Combien va me détruire? 20 gouttes. Il soit dit? 20 gouttes. 20 gouttes? 20 gouttes. Fini. Pourquoi t'as fini? Bon, oui, mais je te demande de dire. Tu vas checker l'huile là, tout? C'est ça, oui. Vous préférez que je chie de ma chine, d'elle quitter l'huile là? Pardon, malheureux. La bouillon blondel. Qui l'a décidé de changer Baïsa, hein? Ça va déranger de faire retourner l'arrière pour taxi? Hein? Pourquoi changer Mac Machine ça? Pas quoi ça? Pas qu'on l'aide qui était sous carrosserie Machine ça. Pourquoi ça venait de me bagarre l'envie de faire vivre bien? C'est beau. Oui, allô? Alors, monsieur Falera. Oh, mais non, madame Didot, j'allais justement aujourd'hui vous appeler pour vous demander de patienter encore un peu. De patienter encore? Ben, le ministère jusqu'à présent n'a pas encore remis les chèques et... Je vous assure que d'ici la fin de la semaine, tout rentrera dans l'ordre. À part ce chèque du ministère, il n'y a pas d'autre moyen de... Bon, ça ne me regarde pas de toute façon. Ça fait 3 mois que j'attends M. Roustan. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. Eh ben.
Vous savez, je ne suis qu'une pauvre femme qui ne peut compter que sur ses loyers pour vivre. Oui, oui. Oui, je sais, Madame Didot, vous me l'avez déjà dit. Je vais fermer les yeux pour une semaine encore, Monsieur Houston. Mais je vous préviens, pas plus. Merci. Au revoir. C'est pas mon téléphone là. Mon bel bébé qui est pour lui là depuis 30 minutes. Ok, bon, bah, sérieux, non? Y a un rendez-vous avec mon bel bébé, pas sérieux. C'est un garçon qui a un rendez-vous. Bon, dis-moi, Steph. Soit tu es pour faire un coup de ministre. C'est 10 ans, on va gagner un job là. Je joue la même chose à tout le monde. Qui joue ça? Pas bêtisé. Stéphane. Hmm. Steph. Oh, ah, c'est toi? Comment était ta journée? Pas mal. Tu as un problème? Non. Un peu fatigué, c'est tout. Ben, si le rythme fonctionne, l'EDH, d'ici quelques instants, les réfrigérateurs ne serviront plus à rien. Entre autres, tu as vu le dernier bordereau de l'EDH? J'ai l'impression qu'on nous fait payer pour le blackout. Tu n'as pas faim? Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Je vais te préparer quelque chose à manger. Désolé, monsieur. Votre compte accuse le montant minimum. Vous ne pouvez effectuer aucun retrait à moins que vous vouliez le fermer. Quelles sont les formalités pour un prêt chez vous, s'il vous plaît? Service à la clientèle, deuxième porte à droite. Suivant. Bonjour. Bonjour. Je peux voir le directeur de cette section, s'il vous plaît? Désolé, monsieur. Il n'est pas encore arrivé. Est-ce que je peux vous aider? Ça va. Je repasserai demain. Merci. Elle fait une grosse sortie, papa. On t'a gros monde qui a frappé dans le pot là. Bonjour. Ah, c'est où? Pachale là, s'il te plaît. Maintenant. C'est qui est? Hein? Tibogi. Qui est? Sinon, moi, Stéphane, lui, t'as ou même pour débarrasser avec Nexa. Pour joindre un monde qui peut pas venir user vieux chez eux là pour grand merci. Ou à petit zéro comme ça. Prends une décision pour suspendre petit temps. C'est quoi, quoi, petit? Vous comprenez là, je fais toute bagaille. En tout cas, vous préférez passer tout gros pinceau à mener là et qui pas dit deux mots sans pas parler de l'argent. Et alors, à vous rêver, ou pensez belle parole mener dans le marché, c'est morning talk, tendez ma fille. Dans ton nous est là, c'est qu'un échec qui a d'identité, tendez. Bêtisez, perdez de temps. Ma chère, yon conseil ma baou. L'ouvrir, j'ai entendu, ou belle femme ou bien campée. Et vous faut plus que ça, moi là. Ouh, je n'en parle trop petite. Bon, je ne dis pas faire, on va faire bien. Ou pas, ouais. Mais, ça fait qui te mêle ma faire. Bon cinéma! Merci.
impériale qu'on va? Oui, mais le film que tu peux aller voir est au Capitole. Non, c'est à l'affiche et au Capitole et à l'impériale. Bon, comme on est déjà en direction du Capitole, ça ne fait pas une grande différence, tu es d'accord? Bon, ben, on ira à l'impériale une autre fois. Alors, tu vas pas me faire la tête rien pour ça, voyons. Deux tickets pour la salle 1, s'il vous plaît. Merci. C'est la trop petit. Bon talle, ça en bas un pour faire. Depuis pas ton shit à serre soir pour s'éviter qu'elle a tout sale. Pas fait, mais tu. Mais tu me tiens, tchavo. Ou qu'on en baisse, tu as? Ce corps-là, ma carte, peux-tu comprendre si elle veut dire ce qu'elle tient à ça? Oh oh, avant de faire ça, Yuzi, c'est ou pas un bon sens, monsieur, ton bite pour. Macaque. Vous avez qu'un bébé sur Stéphane tout. Oh! Écoutez-moi, Pia! Ou pas, ouais. J'ai besoin de chef pour le travail. Pas aussi. Je ne sais pas si je suis dans Miami, non? Seulement 3 jours. Je ne vais pas régler mon ministère. Ok? Je vais tout vite acheter le téléphone là pour vous. Ok? Bye. Ok. Qui est parti là, mon frère? Ta mère m'a mis au moins. Bon, là, loin, moi, tout à balé. Soit fait. Mon cher, je suis sec qui vous arrive là. Qu'est-ce qui arrive? Bon, on peut aller. Ok. C'est ça que fait le monsieur Stéphane a cherché Balio, il va qu'à venir. Mais qu'est-ce que le frère Jean-Loup là? Saute là, frère! Oui. Quel est-ce que vous travaillez, monsieur? Pourquoi vous n'avez pas de travail? Pas de rien, non, là, qu'il n'y a pas de travail. Quoi, bah, va! Gardez, gardez. Bonne lobby. Frank, ou pas pour tes cobla pour moi. Et ou connais fort mon parti. C'est pour me battre dépenser qui fait me débarquer un bill. Si c'est pas rien non, son problème chèque que mien là. Son monde qui ban moi attestation bancaire qui sans provision. Attestation bancaire? Ben oui, mettre quoi mon cher. Et qui les bagages ça pour régler là même? Oui, soit bête ce problème là. Je ne pas du tout que je vais mettre là. D'après vous, chérie, qu'est-ce qu'il y a un problème pour 3 000 dollars? Chérie. Je ne comprends vraiment pas. Je suis client de la banque depuis 10 ans. Je suis désolée. Moi, je ne fais qu'appliquer les principes de la banque. Si je comprends bien, on ne peut me prêter que ce qu'il y a déjà à moi. C'est comme ça. Et je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. Je ne suis qu'une simple employée. Vous comprenez? Est-ce qu'au moins vous pourriez me permettre de voir le directeur de la section? Patientez un moment. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Tu as besoin de moi? Quelqu'un qui voudrait vous voir, c'est pour un prêt. Oui, mais tu connais déjà les consignes. Pas de prêt qui soit garanti à 100%.
Je le lui ai dit, mais il voulait vous voir. Il veut me voir. Quel est son nom? C'est un certain Stéphane Roustan. Roustan? Ah! Il a un compte de $250 américains. Il a fait un dépôt de $10 américains sur son compte, ça fait déjà 4 mois. Ça ne fait pas un client extraordinaire. Non, non, je ne crois pas que la banque va prendre ce risque. Qu'est-ce que je lui dis alors? Catherine, tu ne vas pas t'embarrasser avec un client qui veut faire un prêt et qui n'a pour toute garantie que $250 sur son carnet. À moins que tu veux la valiser toi-même. Non. Qu'est-ce que je lui dis? Écoute, dis-lui que les prêts sont fermés pour cette période et que je suis occupé. Catherine, Catherine, c'est pas l'ami du salut ici. Je suis désolée, monsieur, mais je viens d'apprendre que le service des prêts est momentanément fermé. Je ne peux pas vous en vouloir. Merci. D'accord. Steph, comment on va dire comme ça? On a dit que tu étais passé côté là. Même des achats qui sont en bord de vous là. Je suis peut-être prêt pour partir, oui. Ensuite, il y a comme Régine, l'agent Paméus, Joséphine. Ah, mon cher Steph, ce problème nous a résolu. Ou quand nous avons $2,000 et moi-même qui pas de travail là, qui doit $3,000. Oh! Qui $3,000 ça, Franck? C'est la dame de prêter $2,000 pour te caper des trucs. Oh! Tu quoi dit que c'est petit Lovin qui a cartouche qui a été bon comme là? Et ça me dit où? Bon, comment ça me va le faire? Combien de personnes vous avez besoin? On dit 2000. Eh, mais chef, nous avons le choix, non? Vous connaissez pas la ville là? Je vais mettre la carte. Mais dans le domaine, je vais bonhomme après de ça. Ok. Vous ne mettez pas encore quitter le régime comme ça. Hein? Vous mettez la guise dans mes cousins. Allez, Baka, on va faire chaud maintenant pour vous là. Salut. Comment est-ce que vous machine grimpée dehors? Machine dehors. Machine ça, oui. Machine blanche dehors.
Qui a une machine? $2,000, c'est mon besoin sur lui, oui. Ma première tout l'île en fin mois. Mon cher boy, si c'est business à faire, c'est pas œuvre. Ça, moi, dehors, ce seul pack du souvenir qu'a pour le bon. Bon, baka, ou pas même essayer la machine? Sont tout retard, oui. Ou mouille. Madame, Fontiton. Oui, balé, non. Sont tout retard dehors? C'est 10 ans, même, dans le métier. Personne ne va pas prendre, moi, si vous voulez un conseil, venez chercher vos maisons, attendez. C'est combien de dollars sous lui? $300. Oh! C'est $150 que vous avez sous lui, oui? Quand papier l'autre a prêté. Vous avez vraiment un imbécile. Mais voleur, vous comptez ça? Qu'est-ce qu'il voleur? Qu'est-ce encore? Ou même? Ok. Monsieur. Qui l'aime balavé? Ah. Voloyé. Aïe, aïe, aïe. Oui, il faut la diète à couler encore. Oh, maman. Ça n'a pas fait. Pour un cop. Ok, Mathieu. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment, Mkarindo? Capou avec Anthony, s'il vous plaît. Monsieur Anthony, où t'es rendez-vous à quai? Mais j'en regarde maintenant, comment? Où besoin de poster? Hey, Stéphane! Comment vas-tu? Je te décide enfin à te montrer, hein? Ça va bien? Bon, oui. Mais l'eau quatre fois, il n'y a pas d'eau, ça? Oui, on dit ça. Depuis qu'il est ici, on comprend qu'il est payé à net, comme moi, c'est la grande mode qu'on y a. Ah, t'es parti m'étudier. C'est terminé maintenant. C'est décidé, je suis revenu m'installer ici. Ma mère s'y oppose farouchement, mais je suis convaincu que le vrai challenge est ici. Je vais essayer de me trouver un emploi ou entreprendre quelque chose de personnel. Ça devrait marcher, tu ne penses pas? Oui, pourquoi pas? Tu ne voudrais pas être mon associé? Tu as les contacts, tu connais le terrain, tu as des atouts que moi je n'ai pas. Steph, où touche beaucoup en tout? Petite dame qui t'est fou pour moi. Tu parles sûrement de Samy? Ouais. Ah. Elle s'est mariée à un étranger. Elle vit au Cap-Haïtien. L'homme qu'elle a épousé est très riche et dispose d'une grande propriété dans les environs de l'Abadie. Elle n'aurait pas été heureuse avec moi. Comment ça? Le bonheur ne se mesure pas à la quantité de biens que l'on possède. Et puis, tout compte fait, tu n'es pas à plaindre. D'après ce qu'on m'a dit, tu travailles pour un ministère et tu te débrouilles assez bien. Tu es devenue une personnalité importante. Tu oublies une seule chose. La rue ne dit pas toujours la vérité. Dis, je te sers quelque chose? Jus, coca, bière? Une gazeuse pour moi. D'accord. À tout à l'heure. Hé hé! Hé! Traka, papa. Yo gen la pour moi pour Saint l'église boy ici là. Yes, ça petit. Bah, il y a pas bon chichou, bah, il y a pas bon. Hey, qu'est-ce que c'est pas travail, monsieur, c'est fin de travail. Ah, de la vie, beaucoup tient vivant. T'es vraiment t'es vieux comme mon avant. Où y a vu comment c'est tombé, c'est moi tant qui j'en marre. Steph, je n'ai pas de servante, alors je fais le service moi-même. Pas grave, merci. Alors. Raconte donc. Parle-moi de toi. Ainsi, tu es rentré au Bercail. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Et toi, tu es toujours seul? Non, non, non. J'ai quelqu'un dans ma vie maintenant. Je te la présenterai tout à l'heure. Elle est avec moi. Parle-moi de toi de préférence. Bon, tu sais, pour ce qui me concerne, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. C'est
Toujours le même train-train. On pousse, on pousse, on essaie de faire aller les choses. Eh ben c'est comme